l'ignorance nous régit par des règles. La folie, c'est de demander aux autres ce qu'est la folie. On joue en groupe, hein, donc deux à deux. Donc, on joue ensemble, vous jouez ensemble. On a tous 13 cartes. Il y en a tous. Je pleure. C'était qui joue ? Beaucoup. Qui de vous n'a jamais connu un moment de folie ? Il faut empêcher que notre esprit réagisse en continuité, continuellement, continuum, dans le virtuel. Il ne faut pas générer le feedback face au virtuel. Pas toujours, disons. Sinon, on devient fou. Il suffit d'ouvrir un journal comme cela pour voir de quelle façon sont présentés les malades mentaux, gens extrêmement dangereux, qu'il faudrait enfermer. La folie voit le monde dans toute sa gloire psychotique et sait qu'elle est imparable. C'est ma raison à moi, et je l'impose par la force, parce que ça me plaît. C'est ma logique à moi, et je l'impose par la force, parce que ça me plaît. Tout ce potentiel de dérangement me perturbe. You must be, says the cat. Or you wouldn't have come here. Sainte folie, que serais-je sans toi? Non, 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 non. La folie n'existe pas. Non, non, non. Une conception suraiguë, schizophrénique. Il y a des insanes et des lucides dans le virtuel, qui est à la fois enfer et paradis. Ma folie n'est pas la tienne. Il n'y a à voir que ce qu'il y a à penser. Il faut l'aimer, être avec elle, la chérir. Cette folie, elle vaut la peine d'être vécue. La folie est saine. Le seul lien entre un hôpital. Piatrie qui est la famille est un jeu de cartes. C'est là tout ça. La folie, c'est de ne pas avoir la distance entre les autres et soi, entre l'univers et soi, c'est de ne pas voir le soi. La schizophrénie virtuelle, ce sont les dialogues intérieurs qui sont devenus extérieurs. Je ne suis pas prête. Mentalement, je n'accepte pas l'amour virtuel. Rien, 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 je ne veux rien. Folie douce, douce, folie, folie douce. Elle est douce, la folie douce. Aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques sont abominables. Ce sont trop souvent des usines à pharmacie. Il va de soi que l'ignorance universelle de l'action psychique et de la technologie annonce une certaine fonction inhérente, un engourdissement essentiel de la conscience comme il se produit dans des conditions de stress et de choc. Pourquoi la salle ? Se faire des manques, télé à coups de tournevis, logique gagaliénant, solidarité, solidarité. Solidarité. Oui, je ne suis pas un imbécile. 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 Mais je pense que dans cette phrase, la rose est rouge pour la première fois dans la poésie anglaise. C'est une folie de penser que ces mêmes personnes qui aujourd'hui me tendent la main. Demain ne seront pas les premières à me trahir. À chacun sa petite perversion maison. Hein. Sacrément heureux que j'étais, que je n'ai pas peur de la folie, moi. La folie est un monde rituel. Hein ? Et sans réfléchir, s'exclut radicalement. Et le choix de la raison qui écarte la déraison s'opère sur le fond de moralité. En un sens, le rejet du malin génie, c'est le rejet même d'une volonté perverse. D'une sorte de volonté forte. Et l'homme ordinaire peut vous sentir tellement pitoyable, non faible, que comme un pirate d'avion, il tentera la dimension surhumaine de l'attention médiatique du monde dans un effort sauvage et désespéré de réalisation de soi, où il s'achètera un psychiatre privé pour être son public. Folie ! Folie ! C'est quoi, le... Folle ! Faux ! Faux ! Folle ! Faux ! Faux ! Faux ! Les